Put, put. Hola, Fatou. Réveille-toi. Et quoi? Debout. Paré pour une mission de sauvetage près du volcan? Près du volcan? Oh, mais tu es tombé sur le bec ou quoi? Je n'ai jamais été aussi sérieux, l'ami. Essaye encore une fois. Je crois que... Oui! Voilà! Oh, ça y est, libre! Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Chut! Ou ces deux-là vont nous repérer? C'est bien beau tout ça, mais maintenant on fait quoi? À moins que... Ah, nous allons voir si j'ai bien retenu tes leçons de funambule, Octo. Encore un effort. Bravo, petit. Plus que 5 mètres, plus que 4 mètres, plus que 3 mètres. En suivant cette galerie, vous parviendrez au sommet du volcan. Petit homme, ne renonce jamais à retrouver ta famille. Gombessa, le Sélacanthe, saura où vivent les tiens. Tu le trouveras dans les mers septentrionales. Partez à présent, je m'occupe de Grand Mergal. J'ai un vieux compte à régler avec elle. Mais... Viens, petit homme, ça ne sert à rien. Adieu. N'oublie pas, petit homme, Gombessa, le Sélacanthe. Oh.
créature de solitaire. Je suis le dernier des solitaires et je suis libre. Sans rousse. Regarde, là, c'est la sortie. Octo, sauvé. Pas encore. Je savais que je pouvais compter sur vous pour trouver la sortie, mais cette fois, vous ne m'échapperez pas. Dis-moi, petit Tom, qu'est-ce qu'on fait là? Oh, j'ai compris. Tu veux partir à la recherche de ce soi-disant poisson savant pour retrouver tes parents. Mais pourquoi ne pas rester ici avec les rectangles? Tiens, le domino. Oh! Qu'est-ce que tu fais par ici, petit? Oh, capitaine, c'est la Providence qui vous envoie. Alors, vous connaissez ma famille? Connaître est un bien grand mot. J'ai croisé il y a longtemps la route d'un domino, mais où ça? Je ne m'en rappelle plus. Désolé, petit. Seul le poisson gombé ça pourrait te renseigner. Vous savez où le trouver? Et comment, mon gars? C'est un dur à cuire, tout comme moi. D'ailleurs, je pars dès demain là où il a ses habitudes. Oh, capitaine, prenez-nous avec vous. Je dois à tout prix le rencontrer. Marché conclu, je pars demain aux aurores. Soyez à l'heure. Tanette. Ça y est, mon ami nous engage pour la récolte de canne à sucre. Nous pourrons tout reconstruire. Tu verras. Moi aussi, je vais travailler, papa. Je ne sais pas. Je devrais peut-être t'envoyer chez tes cousins. Oh. Si vous le voulez, je conduirai Tanette chez ses cousins. On embarque maintenant. D'accord. Prends bien soin de toi, petit homme, et prends soin de ma fille. Tu verras, ma petite fille. À ton retour, notre plantation sera encore plus belle qu'avant, ma chérie. Au revoir. À bientôt. À bientôt, les enfants. Bien, larguez les amarres de l'éponge et bon vent. L'éponge? Cette bonne vieille coque de noix est tellement trouée partout que je l'ai baptisée l'éponge. Mais j'aimerais bien mettre la main sur ce sale rat d'égout qui a abîmé la coque de mon bateau. Où peut-il être passé? Barcarin, disons qu'on l'a laissé au volcan. Il commençait à nous échauffer les oreilles. Oh,
Tu ne m'échapperas pas, froide parquin. Je te